Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur la carrière micro-maraîchage bio les amis. Et aujourd'hui on va faire l'épisode 2, on va commencer à partir du mois d'avril là où on s'était arrêté. Donc on avait planté l'herbe la dernière fois, on avait commencé à préparer un champ, on avait préparé aussi de quoi mettre encore un petit peu de peuplier ici. On s'était occupé des animaux et aujourd'hui on va enchaîner les gars, donc on perd pas de temps, on y va, c'est parti. From me cause I got to this place where no one can tell me to do anything. I call my own shots, I call my own place. I enjoy my life almost every day, and I could teach you if you listen to me. You follow some rules, don't need gifts to be paid. Persistence is better than brains any day. Just listen to me and I'll show you the way. Ok, donc on va commencer comme tous les jours les gars, hein. On va aller faire nos petites ventes, on va aller remplir notre magasin de ferme. Donc on a voilà, un petit peu plus d'œufs que la dernière fois, pas beaucoup plus. Parce que bon, pour le moment, on produit pas beaucoup. C'est normal, les poules sont neuves. Ouais, je sais pas si ça se dit ça. Mais en tout cas, ça va augmenter au fur et à mesure. Pour le moment, on y va tranquille. Allez, donc, première vente de la journée, les œufs. Il va falloir qu'on rentre un petit peu de pognon. De toute façon, on va pas trop avoir le choix. Donc là, aujourd'hui, au programme, les amis, ben, ça va être s'occuper des animaux, comme tous les jours. Il va falloir qu'on commence à planter des légumes pour notre partie maraîchage. Donc on a fait 4000 euros d'œufs. Ensuite on va enchaîner avec le fromage. Allez, donc ouais, on a une palette de fromage. Oh, ça va, ça se vend vite. Et ça va vous faire donc 3100. Ouais, on a fait 6000 euros, c'est déjà pas mal. Hop, voilà, ça c'est fait. Ensuite, donc il va falloir qu'on achète des cochons supplémentaires. Ouais, il va falloir qu'on achète 27 cochons, comme tous les mois. Il va falloir qu'on fasse un petit point aussi sur la bouffe pour voir s'il y a besoin d'aller en racheter tout de suite. Donc les cochons, on les achète par 27. Voilà. Les cochons, c'est fait. Au niveau de la bouffe, ils en ont encore 21 000. Ouais, ils ont quasiment rien mangé. La paille, il y en a encore 21 900. C'est bon. Nos vaches. Hein, nourriture, les vaches, on commence à être juste. On va aller faire un aller-retour. En paille, on est toujours très bien. On a commencé à faire du lisier. C'est impeccable. Fumier, on a combien? 7500 litres. Hein, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, les gars. Alors, donc, on va remplir le lait. On en fait combien? 3000 litres. Je sais plus combien on peut en traiter par jour avec notre fromagerie, enfin notre laiterie. 912 x 3, ouais, 3000 litres, c'est ce qu'on peut traiter à peu près par jour. Donc on est bien. On est bien avec 20 vaches, on n'aura pas besoin de plus. Pour le moment, en tout cas. Allez, vidage de lait. Hop, doucement. Ok, donc ça, ceci étant fait, les amis, on va pouvoir. Putain, il va falloir aller remettre la... la citerne, il va falloir aller la re-ranger, les gars, avec le dolly. Putain. C'est le moment que j'appréhende un peu. Et après, donc, prochaine étape, on va commencer à créer notre champ de trucs, là. On va faire un champ de carottes, les gars. On va commencer par les carottes, ça sera toujours ça de prix. Ça ira bien, c'est bon. Ok, alors, donc, on va aller un petit peu analyser un petit peu le terrain. Alors, j'ai déjà fait le gabarit, les gars. Je l'ai fait hors vidéo pour ne pas perdre de temps, parce que c'est un truc un peu chiant à faire. Donc, notre champ de carottes, les amis... Il va commencer juste après le champ d'herbe, là, ici. Et il fait finir là où j'ai fait la marque. Donc ça, ce sera notre champ de carottes pour débuter. Je dis bien pour débuter, on agrandira peut-être d'abord, après. Mais pour le moment, voilà, je vais tester, voir un petit peu ce que ça donne. J'ai pas fait n'importe quelle dimension non plus, les gars, vous verrez par la suite. Mais du coup, on va pouvoir commencer par ça. Donc, on va prendre la peinture... Mode paysage, herbe, et on va commencer à tracer ici. Donc ça fait un peu bizarre parce qu'il y aurait un côté herbe, un côté terre, mais putain, malheureusement c'est difficile d'être vachement précis avec le mode paysage, vous le savez, pour ceux qui en font. Et voilà! Putain, c'est hyper relou. C'est hyper relou. On peut pas vraiment faire comme on veut. Les trucs sont pas assez grands. Les carrés de la grille de la map, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment pas fait pour être précis, quoi. C'est vraiment...
Putain, Giant, merde, quoi. Putain, faites quelque chose. C'est un peu éclatax, là, quand même. Hop. Donc, je vais devoir repasser la charrue sur tout le truc, sur toute la longueur. Ça fait un petit peu yesh, mais bon, c'est comme ça. Là, du coup, je vais pouvoir repeindre. Voilà. Parce que je veux quand même avoir une route en terre pour faire quand même plus réaliste. Donc, oui, je perds du temps à faire des trucs un peu cons, mais honnêtement, je trouve que ça fait plus joli, ça fait plus réaliste, ça fait... Je sais pas, c'est mieux. Donc, on va faire comme ça. On va finir de peindre ce côté-là. Et après, on va prendre la charrue et on va retracer notre champ de peupliers. Donc, hier, enfin, au mois de mars, pour faire un petit peu le gabarit, j'avais loué la petite charrue en 50 cm. Elle fait 50 cm. C'est la plus petite qu'il y a dans le jeu. Du coup, on va pouvoir s'en servir pour retracer. Alors, on va essayer de faire ça proprement. Hop. Alors, on appuie sur Y pour se mettre en création de champ. On baisse. Et allez, c'est parti. On va essayer de faire ça proprement. Bon, il y aura certainement des retouches à faire, hein, parce que bon, j'ai pas trop de marquage ni rien là. Pour le moment, ça a l'air de bien se passer. Pas trop mal en tout cas. Ah, voilà, ça y est, je suis plus aligné. Allez, on recommence. Allez, allez, va bien droit, va bien droit. J'ai pas de mode paysage à refaire derrière. Eh non, raté. Allez, presque au bout. On est presque au bout. Lâche rien, ma petite charrue, lâche rien. Et non, ça va lâcher. Et là, normalement, ça va être terminos. Voilà. Impec. Alors, j'ai fait un petit bitouillon en trop. On va y mettre un petit coup en essayant de pas tout niquer. Voilà. Impeccable, là. Bon, c'est déjà mieux. Ensuite, prochaine étape, les amis, eh bien, ça va être de faire la préparation du sol. Donc là, bon, il y a déjà la chaux de fête, etc. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est passer la machine pour faire les sillons, ainsi que la machine pour planter. Et donc, on va commencer avec la machine pour faire les sillons. On baisse, on active. Donc là, normalement, enfin, j'ai même pas regardé l'état du champ, mais y a pas besoin de non, c'est bon. Ça ne l'a bourré, y a rien pour le moment. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. Donc là, ça va être long. Hein. 3 mètres, les gars. Par contre, ce que j'aurais pu faire. Ce que j'aurais pu faire pour gagner du temps, si j'avais été malin. Si j'avais été malin. Parce que la machine pour... celle-là, je sais plus combien elle prend de chevaux. Parce que si ça se trouve... Ouais, mais non. Non, ouais, non. On va continuer comme ça. On va continuer comme ça. Parce que, vous le savez, je vous l'ai montré dans les modes de la semaine lundi, en fait, on peut coupler la machine à sillon avec la planteuse. Donc on peut faire les deux étapes d'un coup. Mais bon, pour le début, on va faire comme ça. Sinon, il faudrait que j'aille acheter encore des trucs. Il faudrait que j'aille modifier ma machine à sillon, etc. Pour le moment, on va faire comme ça. Alors, c'est pas le truc le plus... Tu vois, on remarque, c'est pas chiant. Pour le moment, j'ai jamais trop fait, donc pour moi, je trouve pas ça trop chiant. Ça changera peut-être dans les mois à venir. Mais pour le moment, bon, ça va. Vu que c'est nouveau, je trouve pas ça trop chiant. Alors, par contre, pour faire l'autre côté, il va falloir qu'on aille de l'autre côté, parce que j'ai pas fait de marque en bas. Enfin, de ce côté du champ. Ah oui, et puis je l'ai pas découpé, surtout. Et ouais, je ne l'ai pas découpé, surtout, le champ, les gars. Et oui. On va éteindre le tracteur pour pas consommer du carburant pour rien. On va prendre la peinture. Hop. Et on va donc tracer. Alors, Ouais, faut que je fasse attention parce que je risque de partir en vrille. Ah, ben voilà, ça y est. Oh putain, on est en double vrille, les gars. Alors, on va y aller plus tranquille parce que je suis en deux carrés de large. Du coup, c'est où que j'ai fait un accro. Ouais, j'ai fait un accro là-bas, donc il va falloir qu'on prenne le Volvo. On va lui mettre un petit coup de charrue. Ah bon, oui, du coup, j'aurai un petit endroit où il n'y aura pas de chaud. Bon, mais c'est pas grave, tant pis pour moi, j'avais qu'à faire plus attention. Voilà, hop, merde. Je suis pas en création de champ. Y, hop, voilà. Donc on va faire un petit pansement, voilà. Bah, tant qu'on y est, on ferait pas un petit pansement là. Non, parce que je sais pas encore trop comment je vais découper. Pour le moment, on va laisser le volume ici. On va reprendre notre machine à faire les sillons. Et allez, c'est reparti, mon kiki. Donc après, ce qu'il faudra faire, c'est faire un chemin en plein milieu du champ. Ouais, je sais, c'est bizarre, mais il va falloir qu'on fasse un chemin en plein milieu du champ, les gars, pour pouvoir passer avec la récolteuse. C'est la récolteuse, comme vous le savez, il faut pas mal de largeur, puisqu'il faut, il faut quand même pouvoir récolter et mettre dans un contenant. Donc ça veut dire que à chaque fois, il va falloir qu'on fasse des chemins. Alors ça va nous faire perdre énormément
de surface, hein, les gars. Mais malheureusement, le jeu est fait que est fait de telle façon à ce que, ben voilà, on soit obligé de faire comme ça, malheureusement, puisqu'on n'a pas de trémie ou très peu de trémie dans les machines. Du coup, ça veut dire que sur le côté, il faut pouvoir passer la machine récoltée et il faut aussi pouvoir passer une remorque avec un autre tracteur sur le côté encore à côté pour pouvoir vider dedans. Donc il faut une place de dingue en fait. Donc au final, oui, ça va être en termes d'optimisation de surface, les nouvelles cultures, c'est éclaté. Ça va être éclaté. Mais bon, est-ce que c'est un drame? Non. Voilà, on a fait des parties où on a optimisé. Là, on va essayer de faire des parties un petit peu plus fun. Ouais, fun ou plutôt funky, parce que là, t'as l'air de partir un peu en vrille, Kaya. Bon, mon petit Polo, tes remarques à 2 balles. Bon, malheureusement, je peux pas non plus te donner un 100% de tort. C'est vrai que ça va être un petit peu funky, parce que, ouais, ça va... Au lieu d'optimiser à mort comme on a fait jusque-là, ouais, on va être obligé de faire des chemins partout. Enfin, ça va être un peu... Je sais pas, visuellement, les gars, je sais pas ce que ça va donner. Je pense que ça peut faire joli, mais je suis pas persuadé à 100%. Donc on verra bien. Enfin bon, en tout cas, franchement, pour le moment, les sillons, alors c'est 12 km/h, c'est un petit peu dommage. Franchement, 15 ça aurait été bien, hein, Giant. Mais bon, 12 km/h, je suppose qu'il y a une raison, c'est que ça doit être plus RP. Je vous avoue que c'est vrai que 15 ça aurait été pas mal. Hein. 18 ça aurait été mieux, mais 15 déjà ça aurait été bien. Et puis alors que la machine fasse des sillons alignés, ah ouais, mais non, après on aurait fait des chambres dégueulasses. C'est bien en fait comme ça. Non, là pour le. Non, là je dis rien. C'est très bien. Par contre, il y en a d'entre vous qui ont essayé de voir si les sillons ça marchait avec les patates. Parce que perso, j'ai pas essayé encore. Que si de faire des sillons ça augmente le rendement, enfin ça fait une couche de fertile pour les patates aussi. Ça peut être sympa à faire. Hein. Comme ça, on fait le gameplay sillon un peu pour tout. Pour les betteraves. Non, les betteraves c'est pas un but, je crois. Hein. Les betteraves sucrières, hein. Je sais plus. Bon, là, 3 mètres pour faire ce genre de truc, pour le moment, les gars, j'ai envie de vous dire, ça va quand même. C'est pas... C'est sûr qu'en 6 mètres, ça ira plus vite. Mais bon. Franchement, c'est pas non plus la mort. Ça nous remplit combien? Le temps, on est en 0,5, il est 8h10, donc ça fait 20 minutes que je suis dessus. Je dois mettre 5 minutes pour les animaux. 5 minutes pour tracer, ouais, ça fait pas longtemps. Ça fait moins de 10 minutes qu'on est dessus. Ça va bien quand même. Et donc, on va faire des tests la première année avec Carotte. Et ensuite, on verra si on rajoute... l'année prochaine, on rajoutera le panais, par exemple. Et peut-être qu'on essaiera de faire un petit peu différemment pour voir un petit peu ce qui peut marcher le mieux en termes d'optimisation de chemin, de machin et tout. Mais voilà, cette année, on va déjà tester avec les carottes pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc, pour le moment, on va laisser comme ça. Il y a autant de décalés là, je sais pas. On va regarder la taille de la machine, voir à peu près le chemin qu'il faut qu'on laisse au milieu, les gars. Donc vous l'avez reconnu, la machine, les gars, c'est celle qui peut stocker, qui a une trémie de 5500 litres. Donc si je me mets, disons que les premières carottes elles vont être ici, sur la butte, normalement. Si je déploie ma buse comme ça, putain, ça va être un peu limite. Hein. Ça va être un petit peu limite, hein, les gars. Putain. Merde. Je sais pas si j'aurais pas dû prendre directement, parce que là on va se faire chier quoi. On a peut-être dû prendre ça directement quoi. Celle avec les palettes intégrées là, parce que putain je le sens pas du tout. Là. Je le sens pas du tout. Ou alors les gars, il faut qu'on coupe. Ouais c'est ça, on va faire comme ça. On coupera à 4000. On coupera à 4000 litres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser pile poil la place du tracteur. Il faut que j'enlève à peu près 1 mètre de chaque côté, quoi. Un carré de chaque côté, ouais. On va faire un sillon de plus de chaque côté, les gars. Et pourquoi j'ai dit 4000 en plus? Non, on coupera le champ à 5500 litres. Voilà, comme ça au moins, on sera tranquille. On pourra décharger en bout de champ. Voilà, donc on va agrandir pile poil de 1 sillon de plus. Comme ça, on aura la place de passer au milieu avec la récolteuse. Oh, part pas en couille. Pour le moment, ça se passe bien. Ça fait bien un sillon de plus. Voilà, on arrive au bout, déjà. Donc, on va rajouter un sillon de plus de ce côté aussi. Bon, ça mord un petit peu, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, on va passer un coup de mode paysage après.
Alors vous allez me dire, ouais, dans ce cas-là, pourquoi t'as pas tout fermé et après découpé? Mais parce que comme ça me permet de bien voir où est le milieu entre les deux champs, quoi. Je sais pas si je suis clair, mais là, c'est pas fait au pif, quoi. Voilà, terminé, les gars. On va pouvoir découper, faire le chemin. Donc, on va prendre le paysage. On va prendre la peinture terre, enfin sable, du coup. Et on va virer ça. Là, il faut qu'on monte tout droit, comme ça. Alors, si on se rate un peu sur la gauche, c'est pas très grave. On va faire pareil de l'autre côté, en essayant de ne pas mordre sur le champ pour pas avoir à tout refaire. Voilà, donc le chemin au milieu, il est fait. Donc là, normalement, les gars, notre tracteur, il doit passer à peu près pile poil. Ah ouais, pour le moment, ça fait un peu dégueu parce qu'il y a toutes les marques de pneus que j'ai semi-effacées en peignant. Mais la prochaine fois qu'on relancera le jeu, ça fera plus propre. Voilà, si là on est bien, franchement on est pile poil. Le tracteur il passe nickel, on est bien. Bon, suivant, on va pouvoir du coup commencer à planter. Donc normalement là je dois être à 50% fertile. Ah ben non, c'est que quand on plante que ça passe à 50% fertile. Donc on va prendre le tracteur, le foudre de guerre. Bon. Kaya, t'aurais pas un peu craqué? Ben, j'avais envie d'utiliser le DLC, je l'ai payé, autant m'en servir. Oh putain, oh putain. Ah merde, j'ai les roues de devant qui touchent pas le sol. Mais même pour ça, il va pas le tracteur, quoi. Oh mais non. Du coup, on va se mettre. Voilà, en carotte. J'avais dit carotte. Alors les gars, avant, vous devez demander pourquoi j'ai voulu faire ça de large, pourquoi j'avais mesuré avant. Eh bien, c'est tout simplement parce que quand on aura de l'argent, ça va nous permettre de pouvoir mettre ça. Alors, c'est que je l'ai mis là, ça. Ça, vous voyez, là on est pile poil. On pourra mettre ça juste par-dessus, ce qui nous fera donc gagner plus d'argent. Alors, je vous l'avais dit dans la préparation de la truc, de la partie, j'ai drastiquement baissé le prix pour le poser, mais j'ai aussi drastiquement baissé le prix de ce que ça rapporte, quoi. Donc du coup, on pourra en mettre. Voilà, on pourra en mettre. Après, ça va pas faire tout ça de long, puisque de toute façon, comme je vous ai dit, je vais couper le champ en longueur. À 5 500 litres pour qu'on se galère pas avec la machine à récolter, mais au moins maintenant, voilà, vous savez pourquoi j'ai voulu couper avec cet écart là. Ça va faire tellement stylé, les gars. Allez, mon petit Polo, tu veux faire la plantation? Ben ouais, vas-y, moi je suis chaud. T'as pas les doigts de pied en épouvantail? C'est bon, arrête de foutre ma gueule un peu. Allez, mon petit Polo, ben on te laisse, vas-y. Moi je veux voir ça. Oula, oh là 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 là. Bon, en tout cas, ça marche. Ça me fait la couche de fertil. Eh, mais c'est. Franchement, c'était pas mal foutu. La machine, elle fait les bonnes dimensions par rapport au sillon. C'est cool. C'est cool, franchement. Par contre, j'ai l'impression que je vais avoir des carottes. C'est bizarre quand même que. En fait, c'est pas censé sonner sur le sommet des buts, ça. Parce que là, c'est un pile poil entre, alors ça fait stylé, mais. Bref, on verra bien quand on passera un mois avec la croissance que ça va faire. Du coup, pendant que notre petit Polo, il sème nos carottes, est-ce que nous, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on fait encore une haie de peuplier, là, ou on essaye de faire une haie de canne à sucre? Le problème, c'est que la haie de canne à sucre, il faut aussi laisser de la place sur le côté pour la machine à canne à sucre, c'est un peu relou, quoi. On verra après. On verra l'année prochaine. On va faire nos tests carottes avant, hein, déjà. Notre chemin, il est beau, hein. Franchement, je suis content. Donc ici, on va avoir le peuplier. Alors là, on a l'impression qu'il y a un écart qui est assez grand, mais au final, quand on mettra les panneaux solaires, ça ira bien. Non, on est pas mal. On est pas mal, les gars. Donc, on va laisser Polo finir tranquillement de semer les carottes. Et on se retrouve juste après. On va se regarder ça en accéléré, les gars. Et on se retrouve juste après. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Bon alors mon petit Polo, c'était comment ce bit de carotte? Bah putain, c'était long. Tu m'étonnes. Oh mon dieu, ce tracteur, c'est une horreur les gars. Franchement, j'ai envie de faire quand même le semi, les premiers semis de pané et de betterave rouge avec, mais je vous avoue, honnêtement, je pense pas que je vais le garder à vitam aeternam. Le truc qui va me rendre chèvre. Ah, moi ça je peux pas tourner avec. Oh putain, c'est une horreur. Et c'est la planteuse en 3 mètres, c'est le truc qui demande le moins de puissance, hein, les gars. Donc voilà. Franchement, des fois je comprends pas pourquoi quoi. Je comprends pas quoi dire. Je suis désolé, mais je comprends pas. Voilà. Bon, en tout cas, les gars, les carottes c'est planté. Donc voilà, ça c'est fait. On est à 50%. Ouais, c'est bien. Du coup, on va mettre un petit coup de truc là. Alors, on va ranger la machine à sillon parce que pour le moment, on n'en a plus besoin. Et donc, on va passer un petit coup de quoi ? On va passer un petit coup de fumier. Et je suis pas sûr que ça passe parce qu'on vient juste de planter. Donc, il va peut-être falloir attendre une étape de pousse. On va essayer. On va voir. Alors, on aura peut-être pas assez de fumier, les gars, pour faire tout. Mais c'est pas très grave. Au pire, j'ai gardé l'épandeur que j'ai loué au mois de mars. Là. Au pire, pour la première année, on mettra un petit coup d'épandage d'engrais solide. C'est un peu yesh, mais bon. Vous devez d'abord déplier. Ah oui, c'est mieux. Par contre, je sais pas si ça va tout prendre. C'est à mon avis. On va être un peu juste. Et ouais. Donc on va passer comme ça. Allez, c'est parti, mon kiki. En tout cas, ça a l'air de marcher. Alors, par contre, c'est encore pas assez. J'ai pas encore pris assez. Putain, mais... Allez, c'est parti, mon kiki. Petit épandage de fumier. Bon, on aura largement. On aura pas du tout assez, clairement. Oh, ça paraît une vitesse, les gars. C'est un truc de ouf. Ce qu'il faudrait, ce serait qu'on se mette le truc du pump and osis, là, qui transforme le lisier en fumier, les gars. Oh, on va utiliser tous les DLC. On va utiliser tout ce qu'on peut, hein, les gars. Clairement. Tiens, pourquoi ça en met pas, là? C'est déjà à 100%. Doucement. Faire un petit check. Et voilà, là, ça en met pas, quoi. Doit être plombé. Tu te fous de ma gueule. Pourquoi, là, ça doit être plombé, quoi? Non, mais qu'est-ce que c'est? À mon avis, c'est pour la première année. Le temps que les trucs se mettent en place, je pense. Heureusement, en tout cas, le fumier, les gars, c'est pas chiant à faire. C'est déjà ça de prix. Parce qu'on a déjà fait pas mal des trucs chiants aujourd'hui. Ouais, il y a des endroits... Il y a des endroits où ça passe pas. Bon, à mon avis, c'est la première récolte. C'est le temps que toutes les choses, tout se mette bien en place, que le terrain soit bien fait. Ouais, je vais peut-être avoir assez, finalement. Ouais, il va falloir que je fasse un petit passage encore sur le côté pour bien finir, mais bon. Il faudrait un épandeur un petit chou plus grand. Alors là, c'est... Je crois qu'on est sur du 8 mètres.
On doit pouvoir passer en 12. Ce sera mieux. On va gaspiller un petit peu de... On gaspillera un petit peu de... Attention. Voilà. On gaspillera un petit peu de fumier. En passant sur du 12 mètres. Mais bon... Non, non, crasse pas. Putain, fais pas ton polo, Kaya. Tu vas te calmer un peu. Désolé, mon polo, mais... Ça va devenir une expression, je pense. Bon, là, il n'y a pas besoin. On va économiser. Hop, on va repartir de là. J'aurais quand même pas assez, mais bon. Ah, il va pas manquer grand-chose, hein, les gars. Pas manquer grand-chose. Voilà, à plus. Donc, ouais, il faut compter un petit peu plus de 8000 litres de fumier pour un champ. Enfin, pour les deux champs, quoi. Ah, ouais, donc ça vous fait du 100%. Ok. Donc, on n'a pas besoin de broyer pour les carottes. Ça me semble bizarre. Ouais, là, c'est bâtard. Là, c'est un peu bâtard. Ouais, il faudra attendre que ça pousse une fois, la prochaine fois. Je sais pas pourquoi, de l'autre côté, ça fait 100%. Je sais pas, franchement... Ça part un peu en vrille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder l'épandeur d'engrais, et pour la première année, on mettra un petit coup d'épandeur aussi quand ça aura poussé, après la première pousse, quoi. On va aller se chercher un petit peu de RTM pour les vaches, les gars, et puis après, on pourra passer au mois de mai. Alors, un peu de RTM. Fourrage, voilà. Donc ça coûte pas cher, hein, normalement. Je sais plus combien on avait payé la remorque, mais voilà, 2000 euros la remorque. Ça va, ça reste cool. En plus, on va bientôt pouvoir la produire nous-mêmes. Voilà, allez, ma vache, je vous amène à manger. Allez, impeccable. Ça, c'est fait. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Bon, voilà les amis, pour le mois de mai, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Hein. On a racheté des cochons, on a pu nourrir les vaches et amener le lait pour pouvoir ensuite vendre notre fromage. On a vendu les œufs. On a pu faire notre champ de carottes, enfin nos champs de carottes. Hein. Ça sera deux petits champs comme vous le voyez là. Même si franchement j'ai peur que ce soit un peu grand, j'ai peut-être peur d'avoir eu les yeux un petit peu plus gros que le ventre. Enfin en tout cas les amis, le mois d'avril est fini, on passe au mois de mai. Et donc, nous voici au mois de mai. Comme d'habitude, on va commencer par faire notre petite vente d'œufs et de fromage. Parce que bah, pour le moment, on a que ça. Hein. Donc, bah, on fait avec. Donc, au programme aujourd'hui, bon, il n'y a pas grand-chose à faire là au mois de mai. Hein, pour la première année, en tout cas. Est-ce que je vais arriver à prendre les palettes, moi? Non. Eh, tu vas pas me saouler. Voilà. Tant pis. Du coup, ouais, mois de mai, les gars. Il va falloir qu'on aille acheter à manger pour les poules, par contre. Cette fois-ci, on a fait les vaches hier. Aujourd'hui, on va aller acheter à manger pour les poules. Il faut qu'on achète des cochons. Faut qu'on vende notre fromage. L'herbe elle est pas prête encore, donc si, il faut qu'on mette un petit coup de ferti sur les radis. Ah, 4900, ça monte les gars, ça monte. Nos poules elles vont bientôt être à fond en rendement, ça va être un petit peu mieux. Aujourd'hui on a deux palettes de fromage. La vie est belle, hein, les gars. Je vais vous dire. Et putain, mais pourquoi ça passe plus là tout d'un coup? Putain, ça passait avant, maintenant ça passe plus. Donc ouais, aujourd'hui, deux palettes de fromage, les gars. Ça, c'est bon. À mon avis, on va faire un jour sur deux une palette, un jour sur deux, deux palettes. J'ai pas regardé combien ça produisait exactement. On verra bien. Ce sera la surprise du chef, j'ai envie de dire. Ok, bon, on a dépassé les 10 000 balles pour aujourd'hui. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On va ranger le Fenwick. Tant qu'on a la remorque d'atelier, on va aller chercher de la manger pour les poules. Alors, je sais pas combien il nous en faut. On peut passer 9 000 litres dans l'enclos. Il en reste 3400, donc on va aller chercher un peu plus de 5000 litres. Mais ouais, le mois de mai, cette année, il va être tranquille. L'année prochaine, au mois de mai, ce sera le semis des panais, des betteraves, je sais plus. Mais en tout cas, il y aura un truc à semer. Mais pour cette année, on va y aller tranquille, les gars. On va y aller tranquille, on va faire des tests au fur et à mesure, comme ça. Et donc, on va acheter un petit peu d'orge pour nos poules. Oh putain, j'en ai pris trop, je crois. 1300 euros, ça va. Ah ouais, j'ai failli faire une remorque complète, j'ai failli oublier, les gars. Je sais pas si je vais pas mettre un silo pour stocker un peu d'orge pour les poules. Ça évitera de faire des allers-retours avec 5000 litres, là. Ça fait perdre du temps un peu pour rien. Voilà les poules, voilà la bouffe. Allez, on vide de ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh oui, il faut que j'aille chercher le lait pour mettre dans la laiterie. Alors, on va laisser la remorque là, parce qu'il y a que 300 litres dedans. Mais ouais, d'ailleurs, faut que je regarde. Un silo, ça coûte combien? J'ai pris des silos modés, là, qui sont stylés, les gars. On va regarder combien ça coûte. 30 000, ouais, ça fait un peu yesh. Ça fait un peu yesh pour le moment, on n'a pas beaucoup d'argent. On va continuer à se galérer un petit peu. Et du coup, on va aller s'occuper du lait. Alors, combien va sortir de lait aujourd'hui? Hier, c'était 3 000. Bon, 3 000, je crois que c'est le max qu'on va sortir. Bon, c'est bien. Ça fait à peu près pile poil ce qu'on a besoin pour les vaches. Pour le fromage.
Donc franchement, ça me va très bien. Il y a juste qu'il va falloir qu'on trouve une solution, hein, parce que franchement, j'ai pas envie de me galérer à faire une marche arrière à chaque fois avec ce citerne là. Ça, c'est un truc qui va me faire péter un câble. Hop, voilà. On met le nez à la fromagerie. Est-ce qu'il avait tout utilisé? Non, il en restait un petit peu. Il restait 200 litres. On fait 200 litres de trop, quoi. Alors, on va essayer de faire ça proprement. Hop, hop, ça y est, ça brille déjà. Oh putain! Non, mais c'est trop relou. Mais c'est trop relou! Mais c'est trop relou! C'est trop relou! Putain, les gars, si en vrai c'était aussi chiant que ça un Dolly, personne n'utiliserait des remorques à Dolly. Peut-être qu'à force je vais arriver à maîtriser, mais pour le moment c'est un peu la misère. Ça, c'est fait. Next. On a fait combien de fumier là? On fait 4000 par jour. Franchement, on va en avoir assez, je pense, pour une bonne partie des cultures. Ça sera bien, ce qui sera bien, ça va être de rajouter du coup. Alors, c'est là-dedans. C'est le truc du Pump and Oasis. Alors, c'est ça. Ça vaut 25 000. Ouais, ça me semble. Ça me semble un peu gros. Ah ouais, mais alors par contre. T'es la zone. 35 000 litres déjà, c'est pas mal, je pense, non? 20 000 sinon. Ouais, sinon on peut se mettre ça, parce que ça on peut le mettre à côté. 40 000 litres, putain. 40 000 euros, la vache. Les cochons. On va acheter des cochons, les gars. En bouffe, ils sont comment? Putain, ils ont quasiment rien consommé. Ça, c'est bien. Alors, vous allez me dire, ouais, mais parce que Kaya, il n'y en a pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Hop, donc des cochons. On va en racheter 27. Donc là, normalement, ils ont tous un mois d'écart, hein, si tout se passe bien. Donc ça, ils auront 0 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ok. Là, on est bon. Le petit coup d'engrais que je disais sur les carottes. Alors par contre, les gars, ça fait quand même beaucoup de rangées. On va pas se mentir. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15. Ah merde, un côté qui est plus grand que l'autre. 15, putain les gars, 15, ça fait... Ça fait 28 longueurs à faire avec le... Oh, c'est énorme. C'est énorme. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, les gars. Ça fait un peu yèche, hein. Honnêtement. Ça fait un petit peu yèche. Ça va être super long. Rien que ça, les gars, ça va être super long. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça fait 28 longueurs. Hein. Donc, ouais, 28 longueurs à faire avec la machine. Pour récolter, ça va être super long. Mais bon, donc ouais, ceux qui s'attaquent à des champs de 5-6 hectares sur les légumes, bah les gars, GG, bravo, parce que franchement, moi j'aurais pas la motive, hein, clairement. Déjà là, 28 longueurs, ça me semble énorme. Ça fait quand même 14 allers-retours. Je trouve que c'est énorme. En plus, ça va pas nous rapporter des 100 et des 1000, hein, clairement. On va pas se faire de film, les gars. Ça va pas être monstrueux. Du coup, ça, j'en aurais plus jamais besoin, là, donc je vais le rendre. Voilà, on va ranger le tracteur. On va le poser là, le tracteur, il sera bien pour la nuit. Impeccable. Voilà les amis, donc le mois de mai c'est terminé, on a pu s'occuper de donner à manger aux poules, on a fait nos ventes d'œufs et de fromage, on a fait quand même 10 000 euros ce mois-ci, c'est déjà, ça commence à monter et ça fait plaisir. On s'est occupé des vaches et des cochons, on a mis un petit coup de ferti sur nos carottes, donc on est bien. Et du coup, on va pouvoir enchaîner avec le mois de juin. Et donc les amis, nous voici au mois de juin, et comme vous pouvez le constater, notre herbe est prête pour la récolte. Donc on va faire du foin. Ouais, on va faire du foin. On va faire du foin. Ce sera bien. Et on ressèmera de l'herbe direct derrière, les gars, comme ça, juillet, août, septembre. Attendez, on est en juin. Donc juillet en cours de croissance. Août prêt pour la récolte 1. Septembre prêt pour la récolte 2. Et on pourra replanter de l'orge derrière. Donc ça sera impeccable. Donc aujourd'hui on va faire du foin. On va s'occuper de suite des animaux. Hein, comme ça sera fait. Les cochons, la nourriture, on est toujours bien. La paille, on est toujours bien. On va pouvoir acheter 27 cochons de plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Nos vaches, en nourriture, on est encore bien. En paille, on est encore bien. On va laisser comme ça. On viendra chercher le lait après. On va s'occuper de vendre le fromage et les œufs. Ah voilà, 5800 euros de... d'œufs, là on commence à monter un petit peu, c'est bien. Ensuite, mon petit frometon, ça se vend vite, c'est bien. Et combien?
5800 aussi. Ouais, impeccable ça, les gars, quoi. Impeccable. On commence à être un petit peu gagnant par rapport à l'achat des cochons. On commence à gagner un petit peu d'argent, c'est bien. Bon, mon petit Polo, on va te laisser faucher. Moi, je vais prendre la faneuse, et puis je vais te suivre avec la faneuse. Bah, vas-y, hein, moi, je suis chaud. Mais si t'es chaud, alors, c'est impeccable. Hein. Parce que, ouais, là, il va falloir... Ah, putain, en plus, c'est à fort que j'attende à chaque fois que t'es fait un aller-retour, mon petit Polo. Là, on n'a pas le cul sorti des ronces. Hein. Bah non, tu vas voir, je vais aller super vite. Oui, on y croit tous. On y croit tous, mon petit Polo. Donc, moi, je vais prendre le Volvo, la faneuse. Je vais passer derrière, je vais faner. Ensuite, il faudra en dénner. Ensuite, il faudra ramasser et stocker ça dans la grange. Par contre, mon petit Polo, je pense que je vais te faire partir de l'autre côté. Parce que je dois t'avouer que j'ai un petit peu peur que tu me fauches les carottes. Non, mais ça va quand même, je suis pas complètement débile. Non, mais sans être complètement débile, mais bon. Voilà, je pense que on va jouer la sécurité. On va te faire partir de ce côté. Et... Comme ça, on est sûr qu'en bout de champ... Ah ouais, mais tu risques de me faucher le peuplier, du coup. Et je crois que le peuplier, ça se fauche pas, donc je suis moins inquiet. Donc ouais, part de ce côté. Moi, je vais prendre ma faneuse. Allez, c'est parti. Bon, ben c'est parti pour le fanage, les gars. Avec le petit Volvo, tranquillement. Hein. On n'est pas bien, là, à sucer des pastilles Vichy. Oh, putain, cette pub, les gars, mais ça doit dater de quand j'avais 10 ans. Je sais pas s'il y en a qui vont avoir la ref, quoi. Avec le coyote qui mangeait des pastilles Vichy avec les rubis. Non, pas le coyote, le loup, parce que les coyotes, il n'y en a pas trop chez nous. Enfin bon, vous avez compris le principe, quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait du fanage, les gars, ça fait bizarre. Mais ça fait plaisir aussi. Ouais, on va essayer de pas se gêner avec Polo, ça serait bien. Bon, ça, c'est vrai que c'est des travaux qui vont assez vite, hein, même si c'est un peu relou, parce que du coup, ça fait plein de... Ça fait plein de trucs différents, quoi. Enfin, ça fait... Après, vous allez me dire, du coup, ouais, pour vous, à voir, c'est cool, parce que vous voyez une étape de fauche, vous voyez une étape de fanage, vous voyez de l'endénage, du ramassage. Avec tout ce qu'il y a eu de fait sur les carottes aujourd'hui, déjà, ça fait pas mal de trucs. Ça, c'est assez cool. C'est aussi pour ça que j'aime bien avoir des carrières où il se passe plein de trucs différents, parce que c'est vrai que, visuellement, pour vous, puis même pour moi, pour la santé de mon cigare. Alors mon cigare, c'est mon cerveau, les gars, non, parce que je sais qu'il y en a qui ont l'esprit un peu mal placé. Hein, Polo? Ben franchement, j'y avais pas pensé du tout. J'en suis sûr et certain. I've seen a lot of nope, I've seen a lot of growth, but we can make it more. Yeah, I'll tell you what I want in the middle of the club. I'm dancing up on my chick, I'm showing a little love. I'm listening to this track, got the speakers above, and feel like everything is coming all together at once. I want a good life, good nights, good friends, alright. Make a couple dollars from something I love to do right. Live my young life, grow old with some memories. Living each day with a good vibe energy. Tell me what you want, just take a thought and make it happen. The only way to live up in this life is with some passion. Don't let this life just pass you by, get up and take some action. Just tell me what you want, go take a thought and make it happen. Cash or cars, I need black guitars, I need plaques for art, yeah. I need shooting stars and a few more scars, maybe a few cigars, yeah. I wanna hit all the charts across all the parts and that's just the start, yeah. I wanna change people's lives for a single night, so listen up, alright. Think of what you want while you dance to this. Your plans and shit, romance or biz, a chance to get whatever you could possibly dream of, could dream up. Think of anything that you need, want a car, a love, a life, a wife, that's right. Start thinking of everything you can need in life and visualize everything, all those dreams and sights. How while you sleep tonight and wake up ready to fight, yeah. Tell me what you want, just take a thought and make it happen. The only way to live up in this. Et ouais, je viens de penser à un truc, les gars, mais l'ensilage, il faut que je le fasse. Faut que je le fasse l'année prochaine, parce que si je le fais cette année, après, quand je vais devoir refaire de l'ensilage, mon bunker il sera pas vide. Et du coup, ça va être relou. Donc, oui, parce que ce champ-là, les gars, il va y avoir de l'orge. C'est-à-dire que je pourrais faire que une fois de l'herbe par an dessus. Donc, il faut que, faut pas que je le décale, parce que sinon, après, ça va être la misère. Donc, du coup, on va acheter de la RTM pour toute la première année.
Et la deuxième année, on commencera avec la RTM qu'on fera nous-mêmes. Je pense que ce sera mieux, ça me permettra de ne pas faire de bêtises. Ouais, on va faire comme ça. Bon, enfin, en tout cas, le foin, c'est quasiment terminé. On va faire un petit coup de ramassage. On va le stocker dans la grange et puis on sera bien. Après, on pourra avancer le temps. Donc la prochaine étape, c'est quoi? Ben, c'est la récolte des carottes. Oh la vache, la récolte des carottes, les gars, ça va être une histoire dingo, je crois. Je crois que ça va être une histoire de dingo. Du coup, on a dit qu'on avait combien? On a un hectare 2. Donc on est censé faire 120 000 litres de foin. J'ai 120 000 litres de foin, les gars, je vais en avoir pour un moment. Après, c'est censé me durer 2 ans, puisque je vais faire le foin une année, l'ensilage la deuxième année, et ainsi de suite. On va alterner à chaque fois. Donc ouais, a priori ça me semble pas mal. 120 000 litres, ça fait 240 000 litres. Ça fait du coup... ouais, 120 000 litres de foin, puis 120 000 litres d'ensilage, ça fait 240 000 litres de RTM. Ça fait 120 000 litres de RTM par an. Putain, on est large. On va être même très très large. Je pense qu'on va même pouvoir ne pas fertiliser. Ou faire une seule couche de fertilis, je pense que ça suffira. Parce que bon, on a que 20 vaches. Hein. On a dit 20 vaches, c'est 350 litres de RTM par mois. Donc, non, une vache, 350 litres, donc 7000 litres pour 20 vaches, ça nous fait du 80 000 par an. Ouais, on est très large. On est très très large. Ouais, faudra faire quand même une étape de ferti, quoi. Bon, ça va. Une étape de ferti, ça va, ça reste cool. Par contre, ouais, vu la surface qu'il y a, et que là-bas, pour les deux planches de carottes, avec 8000 litres, j'ai pas eu assez, ça veut dire que là, il va me falloir une quantité astronomique. Et ça va faire un peu chier. Après, est-ce que l'air... Ouais, si, on avait dit qu'on faisait du bio, donc il va falloir trouver une solution, les gars. Peut-être qu'on achètera un peu de fumier chez le voisin, parce qu'on n'en aura peut-être pas assez pour tout faire, sinon. En tout cas, je suis content parce que mes chemins marchent bien jusque-là, pour le moment. Je vois que si je mets des barrières et tout pour décorer, je passe assez large. Donc ça, j'en suis assez content. Après, il faudra se dire que peut-être qu'un jour, je vais prendre une autochargeuse plus grande. Donc là, par exemple, le virage, il va peut-être falloir l'agrandir un petit peu. Mais sinon, pour le reste, j'ai fait les routes assez larges, je suis assez content. Ça marche plutôt bien. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Je suis en train de m'apercevoir, les gars, que je me suis foiré dans mes calculs. J'ai pas un hectare 2 là. J'ai qu'un hectare. Oh putain, oui, quand j'ai semé, j'ai pris 300 litres de semences à l'hectare alors que c'est 500. Ah mais non, mon champ il est pas bon. Ah non, oh la haine. Oh la haine. Ça veut dire qu'il faut que je redécale tout à côté aussi. Oh non, oh là, j'ai chié dans la colle, les gars. J'ai chié dans la colle. Ah merde. Merde, merde, merde. Ah bah non. 80 000 litres à l'hectare, les gars. J'ai 1,2. Donc 80 000 divisé par 5. Ah ouais, non, en fait, non, je suis censé faire qu'à peu près 100 000. Non, non, c'est un hectare et demi où je ferai 120 000 litres. Putain, je suis con. Excusez-moi, les gars, mais il est tard quand je tourne là. Et du coup, je m'embrouille un peu. Putain, j'ai eu peur. J'ai cru que j'allais devoir refaire. Merde. J'ai cru que j'allais devoir refaire mon champ et tout là. Ça aurait été une angoisse. Mais non, c'est bon. Tout va bien. Voilà, donc du coup, on aura fait 70 000, plus on aura fait 96 000, 97 000. Ouais, c'est très bien, c'est très très bien. On a un peu de rab, mais pas trop. Franchement, ça me va, ça me convient très bien. Les animaux, j'ai tout fait là. Ouais, c'est bon. Cochon, il y a. En nourriture, ouais, ça commence à diminuer, mais ça va, et encore. On est plutôt bien. Du coup, ce qu'on va faire, bah là, je pense que pour juin, on est bien. Hein. Franchement, c'est pas mal fait, hein, honnêtement, les carottes. Moi, je dis chapeau de Giant, hein, parce que honnêtement, c'est loin d'être dégueu. Hein. Enfin bon, allez, on passe à la suite. Et voilà, les amis, donc, mois de juin terminé. On s'est occupé de tous nos animaux, comme d'habitude.
Et cette année, ce mois-ci, on a pu faire le foin. Donc comme je vous disais, l'ensilage, on le fera l'année prochaine, on va alterner. On fera un an sur deux du foin, un an sur deux de l'ensilage pour pouvoir faire la RTM. Nos carottes ont bien avancé, donc on va pouvoir passer au mois de juillet. On va commencer par faire un petit check de nos animaux. Les poules en bouffe, on est encore bien. Les cochons, on est encore bien, même si ça commence à descendre assez sévère. Les vaches, ouh, les vaches, peut-être leur refaire un tour. C'est 7000, là, on peut faire le mois prochain, c'est bon. Donc ouais, non, on est pas mal. On est pas mal au niveau des animaux, donc on va faire comme d'hab. On va commencer par faire nos ventes. Ah, ça monte. Allez, 50 000, on a tapé les 50 000, c'est bien. 5 300 euros. Là, ce mois-ci, on n'a qu'une palette de fromage. Ça va nous faire quand même un petit billet de 3 000, je pense. Au moins, petit billet de 3 000. Oui, 3 000, pile poil. On va racheter des cochons. 27, comme d'habitude. Donc là, on est au 6e mois. Donc dans 10 mois, on pourra arrêter d'acheter des cochons, les gars. Ça va faire du bien. On va s'occuper aussi du lait. Mettre ça à la fromagerie. Enfin, la fromagerie à la laiterie. Ouais, fromagerie, hein, parce que bon, vu qu'on fait que ça avec, je pense qu'on peut dire fromagerie. Ah tiens, notre haie de peuplier est prête aussi. Ah ouais, mais la machine pour le peuplier, ça vaut 100 000, les gars. Je suis pas chaud pour faire du crédit tout de suite, hein, donc pour le moment, on va le laisser comme ça. Nos carottes, elles doivent avoir une belle tête, là, maintenant. Eh ouais. Et ouais, quoi, elles ont une belle tête maintenant, les carottes, les gars. Bon, enfin, en tout cas, les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu et le commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous retrouverez dans la description de la vidéo le Discord, le TikTok et la chaîne secondaire. Donc la chaîne secondaire, c'est les tutos de Kaya. Et je vous annonce que je voulais pas le faire, mais je vais basculer le Ranch Simulator sur la chaîne secondaire. Sur la chaîne principale, il n'y aura plus que du farming, tout simplement. Donc, à voir. Justement, les gars, le lundi, du coup, à la place d'avoir du Ranch Simulator ou un autre jeu, est-ce que vous voulez un deuxième épisode de carrière ou est-ce que vous voulez soit un start, soit autre chose, quoi. Mais est-ce qu'on passe à deux épisodes de carrière par semaine ou est-ce qu'on reste avec la carrière le mercredi et le lundi, je vous fais soit une idée de start, soit une ferme, voilà, une idée de ferme, peu importe. Donc dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Quant à nous, donc, on se retrouve samedi pour les modes de la semaine, ça changera pas. En attendant, portez-vous bien, allez, salut !